La nomination de Fiona Scott Morton comme chef économiste de la Direction générale de la concurrence fait encore couler beaucoup d'encre. C'est une faute politique lourde de la part de la Commission parce que on laisse entendre qu'il n'y aurait pas de candidat en Europe pour occuper ce poste-là, ce qui n'est évidemment pas vrai. Il faut voir aussi que cette décision de la Commission reflète également les tensions qui ont lieu au sein même de la Commission entre d'une part Margrethe Vestager et Ursula von der Leyen et de l'autre part le camp français avec le commissaire breton. Et en fait, les failles idéologiques entre ces deux camps-là, un camp plus libre-échangiste et un camp français où la notion de protectionnisme européen n'est plus du tout tabou, s'était révélée béante. Donc derrière la nomination de Fiona Scott Morton, c'est surtout les failles sur la souveraineté stratégique européenne qui se révèlent aujourd'hui.